72 heures écoulées, rien n'est fait sur le terrain. Les rues des grandes voies sont toujours impraticables. Les caniveaux complètement bouchés et les ordures inondent les grandes artères de la cité capitale. Cela témoigne à suffisance que la ville d'N'Djamena est sale. C'est vraiment impraticable. On arrive à comment faire? Des fois on sort, on se salit les vêtements, on repart à la maison pour ressortir encore. Jusque-là, sur le terrain, pratiquement rien n'est entrepris et la population est souffrante. Si les maires et autres prennent ce message en considération et ils font leur boulot, vraiment la population sera soulagée. Et ça va aussi être le développement de certains quartiers. La saison des pluies a aussi des conséquences drastiques sur la santé. Surtout si l'environnement n'est pas assaini, la population fait face aux maladies hydriques. Il est aussi du devoir des responsables communaux d'assumer régulièrement leur mission régalienne. Il faudrait que ces autorités se mettent réellement au travail pour que la population puisse vraiment vivre. Partout, l'inquiétude de la population est au quotidien. Cette dernière n'a plus de sommeil, surtout qu'une quantité de pluie tombe sur la capitale. Et même le chef de l'État, il a sonné personnellement, il a vu, et il était au courant de tout ce qui se passe dans toutes les mairies. Mais ils ne font rien pour le pays. Et ça encore, ce qui est pire, c'est le début encore de la saison pluvieuse. Nul n'a besoin de remettre en cause la remarque faite par le chef de l'État à l'endroit des autorités municipales de la ville d'N'Djamena. C'est un constat réel et qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Bref, c'est un grand défi à relever par les différents maires.